Hello les gens, ici c'est Shaloir, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 sur Dishonored 2, un let's play tant attendu parce que Dishonored c'est le premier jeu que j'ai fait sur la chaîne, vous le savez, ou vous ne le savez pas peut-être, et je ne vous conseille pas d'aller voir, d'aller voir tellement je n'étais pas doué à l'époque, mais je tiens tout d'abord à remercier It's Common Key. Sans lui, c'est absolument impossible que vous ayez ce let's play actuellement. Normalement, le jeu sort aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux pouvoir vous l'avoir aujourd'hui, justement, à cause de tous ces problèmes. Faut savoir que j'ai acheté le jeu et tout, je l'avais précommandé pour l'avoir avant. Et j'ai absolument pas réussi à le lancer sur mon PC. J'ai dû tout passer sous Windows 10, installer des tas de trucs. Mais c'est bon, il est enfin là. Et j'espère que vous apprécierez autant que moi. J'en ai presque pleuré quand le jeu s'est enfin lancé. Merci Tzkomen, et c'est parti pour Dishonored 2, donc qui est la suite de Dishonored, le premier jeu de Arkane Studio qui est sorti déjà il y a un petit moment. Allez, on va s'attaquer au mode campagne, et j'ai juste vite fait, et en fait il y a en fait on peut voir ici qu'il y a une initiation, où il rappelle vite fait les principes du jeu, voilà, ça se passe à Dunwall, donc la ville du 1, juste histoire de se remettre les pendules. Les pendules, se remettre les pendules à l'heure. C'est un peu abstrait, on va dire. J'hésite. J'ai bien envie de me le faire en difficile en vrai. On va se le faire en normal. On va se le faire en normal pour être sûr. Voulez-vous commencer l'initiation? Non. Je ne veux pas faire l'initiation puisqu'en fait, elle est toute simple. C'est juste vous jouez Emily qui est à Dunwall. Donc la ville du 1, et qui en fait se fait entraîner par Corvo, mais c'est juste vous vous déplacez dans la ville, vous apprenez à glisser, vous apprenez à franchir des obstacles, à sauter de toit en toit, et à faire les bases du combat, c'est-à-dire attaquer, parer, et puis contre-attaquer. Et puis un petit peu de discrétion aussi, vous pouvez vous cacher dans l'ombre et tout ça, et assommer quelqu'un, lui prendre ses clés ou un truc comme ça. Bref. C'est parti pour la cinématique d'introduction. Allez. Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat? Il y a 15 ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall, un tueur à gages s'est introduit dans le palais où je suis né et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir. Mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. Ok. J'hésite entre prendre le premier navire en partance pour le bout du monde ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. Voilà, donc on a le droit à un petit speech de ce qui s'est passé en fait dans le premier Dishonored, donc tout ce qui concerne l'assassinat et tout ça, et une petite introduction à ce qui va se passer dans ce nouveau Dishonored, visiblement. Je ne suis pas en ultra parce que mon PC ne le permet Attention, pas. Majesté. Vivement que toutes ces cérémonies soient terminées. Mais on espère quand même que le jeu tourne Votre correctement en 60 chevalière, FPS là, vous êtes prêt. sur mon PC, Merci, histoire Alexis. que vous Ouvrez l'ayez les portes. en bonne qualité. Je vous ai mis les sous-titres pour que vous puissiez lire tout ça, tout ça. Saluez tous Sa Majesté impériale, Emily Caldwin. Ah, Corvo, le papa. Voyez au sujet. Nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui nous honorons ma mère, Feu Jessamine Caldwin. Que sa mémoire demeure à travers les siècles. Emily. Tu as l'air fatiguée, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. Il est tellement classe, J'aimerais bordel. que mère soit encore Tellement l'impératrice. classe. Attendez, Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais parfois.
Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits? Courage, la cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps. Pourtant, ça fait des années que je suis ça à ma bande. Puis Dishonored 1, ça fait déjà 15 ans. Le jeu est tellement beau. Dans sa patte graphique, hein, particulière. Votre Majesté, avant de commencer les observances du jour, nous accueillons un visiteur imprévu. Le duc de Cerconos. Ramsay dit que le duc a apporté quelques cadeaux. Ramsay. Tiens, intéressant. Où est Eric ? Monseigneur Lucas Abel, duc de Cerconos. Alors, il y a un truc sur la profondeur de champ et tout, c'est un peu chelou, hein, je vous avoue. En fait, de loin, les modèles sont assez moches. Qu'est-ce qui se passe, Ramsay ? Je n'ai jamais autorisé ça. Votre Majesté impériale et protecteur royal Corvoatum. C'est Dr. House. Mon cher compatriote, Cerconos vous présente ses condoléances en ce jour douloureux. Et ses quelques présents pour vous rappeler notre nation, l'étoile qui s'élève à l'horizon méridional. Merci, Monseigneur. Ne me remerciez pas, car le meilleur est encore à venir. La famille. La famille. Voici la sœur disparue de Jessamine Caldwin, votre impératrice légitime, Delilah Caldwin. Impossible. What? Ma mère avait une sœur? Ma très chère nièce, bonjour. Wow, déjà elle a une voix chelou. Mon père est feu l'empereur Yuorn Jacob Caldwin. Jessamine était ma sœur cadette. Lorsqu'elle nous a quittés, je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcé de quitter Dunwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la sœur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret, il y a si longtemps. Attention à ce que vous dites. Emily Caldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Caldwin. Protecteur royal. Comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé, mais c'est terminé. Écoutez-moi. Ça fait un peu trop. On sait que c'est la méchante, elle a la voix vraiment déformée, quoi. Saluez tous l'impératrice Delilah, première du nom. Arrêtez Emily Caldwin et son père pour les meurtres perpétrés par le tueur de la couronne. Quoi ? Vous allez arriver, les gars. Dra. Oh, t'as perdu la tête, tu frère. Merde. What? Quoi, c'est moi ou elle lui a piqué ses pouvoirs? Oh merde. Oh bordel de merde. Ah, ça va être là. La souveraine de l'Empire des îles qui a la fortifié le maniement de l'épée auprès de son père, Corvoatan. Le légendaire protecteur royal de l'impératrice donne la réputation frappée d'infamie lors de la Grande Peste. Ah, bordel. Mais il est tellement stylé, Corvo. Mais je sens que tout le monde va vouloir jouer Emily Caldwin. Donc, ce que je vais faire... moi, j'ai envie de jouer Corvoatan. Donc, on va jouer Corvoatan, tout simplement. Voilà. Et oui. J'ai envie de jouer Corvo. Ah merde. Ah putain, elle l'a transformé en pierre. Atano, comme tu es beau pour un homme de ton âge. Merci. Depuis combien de temps dissimules-tu la marque de l'Outsider? Ça doit être une histoire fascinante. Je vais l'enfermer dans les appartements de l'impératrice. Il ira au bagne de Coldridge où il fera son procès. Ah putain de merde. Mon père a tout perdu, m'a enrôlé dans la garde urbaine. C'était ça, offert la manche, quand je pense que je vous ai obéi. Corvoatan, fils d'un marchand cerconien. Capitaine Ramsay, j'ai entendu des cris. Seigneur Corvo, que se passe-t-il? Non. Sera tout, Capitaine Mayhew. Non. La fameuse épée du protecteur royal, hein, et qui se plie aussi facilement. T'es un bâtard, toi. T'es un bâtard. Bon.
On raconte au sein de la garde qu'il existerait une salle sécurisée dans les appartements de votre fille, avec assez d'or pour acheter toute une île. Et on dit que ceci est l'une des deux seules clés. Bah, attends, va. Qu'est-ce qui s'est passé? Alexis, la salle du trône, Émilie. Je ne peux rien faire. Il faut que je sorte d'ici. Bon, eh bien... voilà, le speech de base est lancé. Du coup, on va jouer Corvo Atano, puisque c'est le personnage que je préfère. Et je pense que énormément de youtubeurs que vous pourrez regarder sur internet vont jouer Émilie Calvin, puisqu'elle a plein de nouveaux pouvoirs. Et moi, je préfère largement Corvo Atano, qui surtout a tellement gagné en charisme, maintenant qu'il peut parler, et surtout maintenant qu'il a sa petite barbe, quoi. Il est... magnifique, magnifique, magnifique. Ok, bon, alors... il est possible de garder le silence, n'est pas étrange, que tu me sois ouvertement posé à vous. Tout du moins, ces décès vous arrangent considérablement, dis donc. Auriez-vous quelque chose à m'avouer, votre majesté? Comment puis-je jouer mon rôle de conseillère sans être informé des entreprises les plus délicates? J'ai l'impression d'être la seule personne à Dunwall qui ne connaît pas la vérité sur le tueur de la couronne. Ne me laissez pas dans l'ignorance, toujours à votre service, Leonara. Leonara, c'est sympa Leonara comme prénom. Mais c'est un peu n'importe quoi. Protocole du baptême du navire. Impératrice, après le voyage d'épreuve du protecteur royal, nous baptisons l'ISS Jasmine Caldwin juste avant l'anniversaire du décès de votre mère. Avec votre accord, bien sûr. Sur la plateforme, vous trouverez une bouteille de cognac de King Street attachée à une longue corde que vous déferez pour qu'elle se brise contre la coque. Et je vous laisse le soin de choisir ce que vous direz pendant la cérémonie. Mais voici quelques idées pour vous donner l'inspiration. Qu'un vent vif te pousse vers les rivages voisins, lointains et accueillants. Protège ton équipage des périls du terrible océan. Vogue. Pour Gristol, le cœur sincère, sans jamais perdre de vue ton origine, bien à vous conseiller, Wainwright. Ok, je vais prendre tous les trucs que je trouve, je les lirai. Ou alors... Ok, je sais pas exactement à quoi ça sert. Pas du tout. Parfait. Oui, alors je vais virer un truc, parce qu'il y a en fait une espèce de profondeur de champ dégueulasse. Et franchement, c'est pas du tout agréable. Voilà, donc j'ai envie de... hop, ça je vais mettre en ultra. Voilà, vous voyez un peu mes réglages, où est-ce que j'en suis. Mais sérieux, il y a la profondeur de champ, je la trouve dégueu. Hein. Je la trouve dégueu. Ça fait un flou. Mais non, il y a toujours le flou. Ok, bah écoutez, je sais pas trop. Voilà. La nourriture fraîche restaure votre santé. Yes. Miam, miam, miam. Donc vous l'aurez compris, visiblement... Régler l'alarme, je peux régler l'alarme. Visiblement, il y a... Peut-être que je devrais juste le faire tourner. Choisir un endroit où penser mes plaies. Je dois reprendre des forces. Vous aurez compris donc il y a la sœur de l'impératrice, donc qui est basiquement la fille avec qui je fricotais, puisque nous sommes Corvo, qui s'est fait buter. Qui s'est ramené. Émilie, elle, par contre, s'est fait emprisonner par elle. Et j'ai perdu mes pouvoirs. Alors, lettre à la commission tyrienne du commerce. Les pendants qualifiés. Je vous laisse faire pause si vous voulez regarder. Parce que là, c'est un peu long. J'ai pas non plus tout envie de vous lire à 100%. Je peux régler l'alarme. J'ai aidé Émilie à libérer une grenouille coincée dans une vieille pendule quand elle avait 11 ans. D'accord. Je jure de trouver un moyen d'arranger tout ça et de la ramener. Et donc du coup, je pense que je peux passer. Alors ici, je peux épier si je maintiens X, ok. De toute façon, je pense que c'est... Salopard travaille pour Ramzy et le duc de Cerkonos. Ok. Donc déjà, Ramzy le mec qui le mec, je me suis dit, oh, il était trop sympa et tout. En fait, c'est un bâtard. Donc, ok. Dès qu'on commence à se sentir bien à Dunwall, la situation dégénère. C'est toujours pareil. Mmh. Est-ce que je peux monter là? Non, visiblement non. Je peux pas passer là. C'était un piège. Moi qui pensais qu'on allait pouvoir passer. Ça, je peux rien faire, ok. Peut-être que je... par l'autre fenêtre, peut-être que je peux. Parce que visiblement, j'ai l'impression que je peux pas. Je fais le bordel. Je peux pas partir par là. Ok. Par ce côté-là, peut-être alors. Voilà. Phew! Et je peux aller ici. Oh, sachant qu'il y a des mecs morts. Ok.
ça marche. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre hop, ça comme ça. Voilà. Appartement royal. Delilah m'a pris la marque de l'outsider. Voilà. Je n'ai plus aucun pouvoir. Truc que je vous avais dit. Pour faire un rapide résumé, en fait, dans le 1, on avait donc des pouvoirs qui nous ont été donnés par un gentil monsieur qui s'appelle l'Outsider. J'ai du mal à croire que Ramsay soit un traître. Ouais, je sais, attends, j'arrive à te parler, ma grande, c'est juste que je vais fouiller puis raconter un peu les gens. Oh, yes. Un peu les gens, comment ça va se passer en fait. Donc, Emily Caldwin qui était. Oh. Ça ne s'ouvrira pas sans ma chevalière. Ah, c'était là la pièce secrète. Ah, la cow. Ok, d'accord. Il faut y aller, pas de temps à perdre. Je sais, mon grand. Oh, calme-toi, c'est bon. Donc, le Dishonored s'est divisé en plusieurs îles. Et nous, on était à la tête de ces îles, tout ça. Et donc, bon, on se doute bien que la sœur qui revient comme ça, et en plus qu'il y a une voix complètement mutante, la voix est trop chelou. Voilà, ça sent l'entourloupe, hein. Ça sent l'entourloupe. L'impératrice Émilie va bien. Il y a eu un coup d'état, Émilie est... Elle est prisonnière, en quelque sorte. Elle était pétrificus totalus. Il faut que vous quittiez la tour. Essayez par la salle sécurisée d'Émilie. Il y avait un capitaine sur les quais qui vous cherchait tout à l'heure. Fuyez et sauvez Émilie. Je suis désolé, capitaine Mayo. Adieu. Salut. On peut le porter, mais c'est ça. Demande d'audience. Capitaine Mayu, vous ne me connaissez pas, mais je vous demande de dire au protecteur royal que je dois le rencontrer de toute urgence. Je détiens un message qui doit lui être remis en personne. Dites-lui que je travaille avec Anton Sokolov. Anton Sokolov qui était un inventeur dans le premier. Tous les bateaux ont reçu l'ordre de quitter les quais, mais je resterai le plus longtemps possible. Dites au seigneur Corvo de me rejoindre là-bas. Mon navire se nomme le Dreadful Whale. Megan Foster. Ok. Alors c'est parti pour rejoindre Megan Foster. Alors, juste encore manger. Sinon je suis à fond. Ouais, elle le quittera. Elle a promis. Je peux attendre. Ok. Alors petit truc sympa aussi, on peut faire ça. Oui. ok. Alors, ici il y a des trucs. Il n'y a pas vraiment de trucs à récupérer. Alors je vous préviens, il y a beaucoup de trucs à fouiller, hein, donc forcément je vais fouiller un maximum. Voilà. Parce qu'il y a des objets à récupérer qui peuvent se vendre et puis vous avez bien vu que eh bien, il y a des choses aussi, tout simplement, à collecter. Et c'est comme les petites choses écrites, comme des petits papiers. Et il y a aussi des sous-sous, bien évidemment. Il y a des choses à acheter plus tard, des améliorations, tout ça. Mais vous verrez ça en temps voulu. Alors, les audiographes, on va les jouer. Comme tu le sais, celui qui assassine mes détracteurs le fait dans le seul et unique but de m'unir en secret. Mmh. Le tueur de la couronne a un commanditaire. Mais qui ? Aucune idée, ma grande. C'est l'anniversaire de la mort de maman demain. Un jour marqué par la tristesse, bien sûr. Bien évidemment. Mais j'aimerais que tu repenses à tout ce qui s'est passé ces 15 dernières années. Tu m'as protégé. Et tu m'as appris à me protéger moi-même. Tu m'as aidé à faire ce qui était le mieux pour les citoyens de l'Empire. Nous avons fait assécher le quartier inondé, combattu le crime organisé, et hier... Nous avons mis à l'eau un superbe navire en l'honneur de maman. D'accord, donc ça c'est ce qu'on a lu. J'essaie de devenir l'impératrice qu'elle aurait voulu que je sois. Père, je n'aurais jamais pu en arriver là sans toi. C'est très gentil. Ce que je me demande, c'est que si on joue Emily, ça veut dire qu'on a un audiographe certainement de Corvo Atano en fait. Hein. Ou alors, je sais pas en fait, faudrait que je teste. Je sais pas d'ailleurs si je vais faire les deux ou si je vais faire qu'un seul. Sur la chaîne, c'est sûr que je vais faire Corvo. Après, peut-être que je ferai Emily en plus, hein. On sait pas. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Peut-être que vous, vous savez peut-être déjà ce que je vais faire, mais moi, je ne sais pas. J'en ai absolument aucune idée. Ok, bon, on va y aller, là, il est temps. Il est temps d'avancer un petit peu. Je pourrais l'assassiner, mais ce que je vais faire, c'est l'étrangler. On va essayer de tuer le moins de gens possible. Voilà, hop. On peut le prendre directement avec nous. On va s'empresser de le planquer là-bas. Ponk. Il avait une clé sur lui, mais je crois que ça, quand on la somme, ça la prend automatiquement. Donc ça, c'est cool. Ok, donc visiblement, faut descendre en bas. Il y a un mec qui est complètement défoncé, là. Complètement bourré, le mec. Waouh.
Ah oui, du coup, ils ont... Ah non, ils ont assassiné tout le monde, quoi. Oh putain. Désolé, corps. Désolé, corps sans vie. Tu étais serviteur. Un uniforme de rechange. What? Ah, ça pue, hein, quand tu tues des gens. Oh putain, le mec me passe devant. Ok. Et attends. Non, je croyais qu'il y avait des pieds. Ok, on va profiter. Hop. On va l'emmener avec nous. Hop, on est avec moi. Allez, hop. Chien parjure. Parjure. Tiens, dégage. Ah. Le tueur de la colonne, elle a encore frappé. Citoyen de Dunwall se cache. Ne cache pas leur choc et leur crainte en apprenant qu'un autre fervent critique de l'impérateur, de l'impératrice Emily Caldwin, a connu une mort violente. Cette dernière victime, putain, n'est autre qu'Ichabod Boyle, entrepreneur. Ichabod Boyle, entrepreneur et mécène notable. Boyle avait récemment publié une tribune libre décriant sévèrement la gouvernance mal avisée de l'impératrice et la négligence délibérée de son devoir. D'après les détails sanglants laissés sur le lieu du crime, les autorités sont convaincues que ce meurtre est l'œuvre du tueur de la couronne. Alors que les opposants majeurs de sa majesté tombent les uns après les autres, sous les coups de cet assassin notoire, nous osons poser cette question. Le protecteur royal a-t-il maintenant pour devoir de tuer tous ceux qui osent critiquer le trône? Je pense que non. Puisque nous jouons Corvo et qu'il a dit. Il a dit non. Oh, c'est tellement stylé. Ah oui, non, ça je... Pause, voilà, pause. Ça c'est pour faire diversion en fait, les bouteilles. C'est très très le swag. Bon, on va éviter de boire pendant le... Pendant le service, voyez-vous. Surtout, on va surtout essayer de s'échapper. Désolé, hein, madame. Tu t'es fait tuer. C'était pas voulu. Rien à récupérer ici. Ok. Bon. Allons-y. Furtivité, furtivité avant tout. Maintenant que nous tenons la salle du trône, wow. Nous aurons tout le temps nécessaire. Restez ici et retenez ceux qui voudraient passer. Soit on peut le tuer, soit on peut le neutraliser. Je ne reste pas coincé dans cette saloperie de salle sécurisée. Nous vous couvrirons si les hommes du duc s'avisent de revenir. Sachant que je n'ai pas de pouvoir. Hein. Tout change. Oui, l'ordre naturel des choses reprend ses droits. Ah, je peux pas me cacher. Vous saviez que les Ramsay ont un jour reçu le roi et la reine de Morlaix chez eux? Quand j'étais enfant, je jouais avec les Bunting et les Boyle. La crème de la haute société. La crème. Et bientôt, vous retrouverez votre rang, capitaine. Faudrait qu'il se casse. Cassez-vous. Cassez-vous, les pions. La famille de Ramsay est tombée en disgrâce, ce qu'il n'a jamais digéré. En quoi est-ce la faute des autres? Ça me dépasse. Quoi qu'il en soit, Ramsay est bien trop dangereux pour qu'on le laisse agir à sa guise. Wow, wow, wow. N'importe quoi. Quand même. Ok, donc là il avance. Il se dirige là-bas tout seul. S'il y va tout seul, moi ça me va bien, je peux aller le neutraliser tranquille. Ah, il a l'air d'y aller tout seul. Ok. On va le neutraliser, hein, puisque je ne veux pas le tuer. Hop, voilà mon grand. Les gens vont être beaucoup plus cruels que moi, mais je vous avoue que j'en ai que faire. Rien ne m'empêchera de te ramener sur le trône, Emily. Mais je sais, ça... Ah, je pourrais encore le buter, là. Mais non, non, je vais juste lancer là-bas, voilà. Ah, mettre Morlaix dans la salle sécurisée, ok. D'accord. Donc non, je vais le prendre avec moi et puis je vais aller foutre dans la salle. Okay. Il faut pas qu'il puisse s'en échapper. Le mec fait dodo. Voilà. Allons-y. Sokolov a conçu cette serrure. Ah, putain, moi je croyais que c'était, ça allait être le feu qui allait s'ouvrir et tout. Allez, hop. Oh, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le laisser là? Ouais. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette nouvelle salle? On va pas commencer à faire le tueur. Ah, élixir de santé, ça c'est cool. Je pourrais bien prendre ça. Oui, je pourrais bien prendre des cartouches aussi. Et puis mon petit flingue. Je pourrais bien le prendre aussi parce qu'il est tellement beau. Je repars en chasse.
Combien de gens avaient oublié ce masque? Allons-y. Alors, du coup, j'ai... Ah, yes, j'ai accès à la longue vue. C'est cool, même si c'est pas un truc de ouf, c'est quand même bien utile. Alors, ici. Bon, on va tout ouvrir. Cet or ne me sera d'aucune aide contre Delilah. Et d'ailleurs, je n'ai aucun moyen de le transporter ailleurs. Ok. En effet, il y avait vraiment une salle avec, avec de l'or, du coup. Je regarde en fait parce qu'il y a quelques, quand même quelques références au premier Dishonored qui sont cachées dans, dans tous ces trucs là en fait, tu vois. Oh, la statue est tellement classe. Tout petit raisin, tranquille. C'est tout ce qu'il y avait à prendre, je suis sûr que non. Corvo Atano. Ah, il y avait une, deux parties, ok. Je vous laisse lire ça, faire pause. J'ai 18 ans et Corvo 25. Waouh, d'accord. Surtout que j'ai pas la première partie. Donc, Alors, lettre de Viman. Emily, je n'ai pas voulu te réveiller ce matin, mais tu ne me pardonneras puisqu'on a à se dire au revoir une centaine de fois hier. On a dû se dire, pardon. Et puis ma seule chance de te voir tout ébouriffé, c'est quand tu dors. Dès que le soleil se lève, tu mets ton masque d'impératrice. Heureusement que je connais ton véritable visage, celui qui rit de nos poèmes ridicules. Je n'ai pas envie de retourner à Morlaix, mais on a besoin de moi. On ne se reverra pas pendant 4 mois, tu vas me manquer. Ne t'en fais pas, je penserai à te rapporter du tabac blanc pour ton narguilé. Seigneur Corvo, si vous lisez cette lettre, comme l'exigent vos fonctions de protecteur royal, sachez que je plaisante et que je sais parfaitement que le tabac blanc est interdit à Gristol. Prends soin de toi, mon audacieuse Émilie. Ne va pas tomber d'un toit. Je t'aime, Viman. Oh, c'est chou. C'est chou. Bon, les bouteilles de vin, laissez-les tranquille, laissez-les là. Régler l'alarme, ok. Verre de whisky, putain. Ah, la première partie. D'accord, donc ça c'est à lire en fait, parce que c'est carrément carrément l'histoire de Corvo en fait, toute l'histoire de Corvo. Ok, il avait une sœur, je m'en souvenais absolument pas. Et ça c'est un dessin qui était dans le premier Dishonored, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. C'est Samuel Beechworth qui a fait ceci. Je me demande quel conseil il aurait pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas, mais c'est un énorme narguilé en effet. Samuel qui était en fait un des membres du clan qu'on avait dans Dishonored 1, voilà. Plein de petits trucs sympathiques. Murmure du grand vide. Ok, traité sur l'existence physique de l'espace immatériel. Ok, ça marche. Traité, partie 2, voilà tout simplement. Alors, j'ai des cartouches ici, j'ai bien fait de regarder. J'ai bien fait de regarder jusqu'au bout. J'ai bien fait. Je crois qu'on a plus que ça à lire, hein, les charmes d'os. Charmes d'os, une bénédiction des marins selon la culture populaire. La gravure en elle-même est une pratique très ancienne transmise des lieux de mer, l'apparition du commerce baleinier. Charmes d'os qui sont des petites runes qui peuvent carrément, qui peuvent vraiment vous aider dans le... Non, attends. What? Ils ont fait un truc alien? On dirait franchement, on aurait vraiment dit un truc alien. Allez. On y va. Il faut que j'enferme Ramsey dans la salle sécurisée. Ça devrait le mettre hors d'état de nuire. Ah, pardon, excuse-moi. Il faut refermer la porte. Voilà. Mille excuses, te monsieur. Voilà comblé, Ramsey. Tu hérites de la suite impériale au sommet de Dunwall Tower. Tu restes là jusqu'à la fin de cette crise, Ramsey. Profite des rations, de l'eau du puits, et veille bien sur le trésor. Il est sarcastique, il est tellement bien. On va aller dans Dunwall, on va sortir un petit coup quand même, ce sera pas... Hein. Ah, je me disais aussi, si la porte était aussi facile pour sortir, il allait sortir le mec, mais en fait non, ça va. Ça va, franchement. Donc là, l'histoire se met un peu en place, désolé s'il n'y a pas des masses de... S'il n'y a pas des masses non plus d'action, c'est quand même le début du jeu, il faut vous expliquer tout ça. Si vous avez jamais fait Dishonored 1, c'est encore plus galère à vous expliquer. Et je préfère vous faire quelques petits rappels au cas où, voilà. Donc là, on va rejoindre Monsieur le Capitaine. Le temps d'y voir plus clair. Il faut que je fasse profil bas. Okay. Il faut que j'arrive au quai. Alors, notre cher Corvo a envie de beaucoup lire. D'accord, ok. A envie de beaucoup lire. Pas j'avais beaucoup, pour de habitude beaucoup parler, d'écouter en fait. Emily et sa gouvernante Calista raconter cette histoire. Chose qui change je suis extrêmement heureux beaucoup qu'elle n'ait par pas rapport vu Emily au, se faire exclure de Dunwall Tower. Oh.
Ça vaut du fric, c'est vrai que les trucs vaut du, les valent du fric, les peintures. Sachant que c'était 3 ennemis de, du premier. Hein. Ça, c'est carrément, c'était carrément du premier. Je regarde vite fait s'il y a des trucs intéressants. Il y a tellement de bouquins en vrai. Tour de Dunwall, je vous laisse faire pause et lire à chaque fois parce que. Si je commence à lire tout ça, je suis mal. On est mal, on va mettre 50 ans à faire ce let's play. 50 années. Au moins. Alors, on peut fermer tout ça, il n'y a rien à prendre ici. Arrête. Arrête tes bêtises. Forcément des choses à prendre. Hop. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière par contre? Il n'y a pas l'air. Ça a l'air d'être bon. Ok, Dunwall. Il faut que je quitte Dunwall. Waouh. C'est beau. C'est beau. C'est un peu flou au fond, mais franchement, sinon, c'est beau. C'est quand même vachement beau. Ok. Bon, bah, let's go. C'est de ce côté-là. On va se priver. Que dois-je faire pour retrouver Emily? Qui devrais-je devenir? Il se pose des questions existentielles, je t'avoue que c'est un peu... Franchement, c'est chelou, hein. Waouh. Genre, cette matière, c'est très chelou. On dirait pas de l'eau. Il parle beaucoup plus que dans le 1, parce que dans le 1, il était... Je vous rappelle qu'il était muet, hein. M'obligez pas à chercher partout, j'ai autre chose à faire. Il était complètement muet, hein, Corvo, donc ça fait un peu bizarre. Et ce que je vais faire, c'est... Je suis désolé. Hop, je vais couper 2 secondes. Je vais être obligé... de baisser ça. Oui. Puisque je vois qu'il y a des petites latences et je préfère que ce soit vachement... Quoi ? Je comprends pas en fait. J'entends quelqu'un. Je le vois pas. Ah, il est là. Ok. Je crois que je peux le neutraliser d'un bon petit coup sec. Ou alors je fais ça tout simplement comme ça. Voilà. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Viens avec moi, gamin. Traître. On va le balancer là. Du coup, est-ce que je peux... Non, ça n'a pas de fouille. Ok, il fait dodo. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici? Il y a du pain. Ok. Bon, allons-y. Allez au bateau. Waouh. Il faut que je trouve un navire. Il y a du peuple. Il y a carrément du peuple. Écoutez tous, j'ai de mauvaises nouvelles. Ramsay a disparu. Le caporal Moore est allé dans les appartements royaux. Corvo Atano s'est échappé. Ouais. Il faut le retrouver. Je sais pas si je peux sauter jusque là-bas. Vous avez vos ordres. Dispersez-vous, retrouvez la cible. Je ne pense Nous pas que je puisse du côté sauter. Du duc de Cerconos pour le meilleur comme pour le pire. Pas question de revenir en arrière. Oh, c'est tous des traîtres. Tous des traîtres. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Allez, on va tenter. Ok, ça a foiré. Je me suis niqué la life. Mais laisse béton, quoi. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Je peux... Ça fait du bruit. Je suis content. Ok, ils sont tous morts. Oh mon dieu. L'impératrice Emily Caldwin et Corvo Atano, son protecteur royal, sont à présent des criminels recherchés. Au cas où vous l'auriez oublié, une récompense est offerte pour la capture des ennemis de l'État. Mon dieu. Donc si j'en ai deux et que je lui en donne un, il m'en reste un, mais si je le mange... Non. Votre attention, citoyen de Dunwall. Oh merde. À partir d'aujourd'hui, c'est Corvo Atano, notre nouvelle impératrice. Je crois qu'il m'a vu. Ah merde. Je me suis fait repérer. Ouais, si, il y a des issues, mon gars. Ah, regarde. Oh mon dieu, il y a plein de gens. Peuple de Dunwall. Il y a beaucoup trop de gens même. Un couvre-feu est en vigueur en cette période. Il y a un mec là aussi. Ah merde, merde, merde. Wow. Ok, d'accord, vous voulez tous mourir, en vrai. Vous allez tous mourir. Pas de soucis. Vous allez payer. Ok. C'était beaucoup trop. Votre vie a pris fin. MDR, lol. Bon, faut dire que je me suis rattamé comme une grosse merde. Voilà, hein, je suis pas très doué. C'est entièrement de ma faute. Bref, on recommence comme si c'était un terrain passé. Allez-y.
Il faut que je trouve un navire. J'ai envie d'aller là parce qu'en fait, mais c'est électrisé, donc en fait, je me ferai complètement défoncer. Ramsay a disparu. Le problème, c'est que je peux pas descendre. Je peux pas descendre comme ça. Il faut le retrouver. C'est tout. Vous avez vos ordres. Dispersez-vous, retrouvez la cible. Nous sommes du côté du duc de Cerkonos pour le meilleur comme pour le pire. Pas question de revenir en arrière. Je peux pas, j'ai pas assez. Préparez-vous, Mortimer Ramsay. Je veux mettre en place. Ah oui, d'accord, ils avaient. Oui, en effet, ils avaient tout prévu. Ils avaient tout prévu, les salauds. Oula. Ok, donc il y a un mec là. Ok, donc tout le monde ne s'est pas rebellé non plus. Hein. Là. Lui, il regarde beaucoup trop près. Dès qu'il a le dos tourné. Ok. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. L'impératrice Emily Caldwin et Corvo Atano sont protégés. Je vous jure qu'il a rien vu. Sont à présent des criminels recherchés. Au cas où vous l'auriez oublié, une récompense est offerte pour la capture des ennemis de l'État. Par contre, l'autre, je sais pas. Il y a un mec qui est. Bon. Bonjour. Hop. La petite astuce, c'est que je peux me déplacer en même temps que les étrangler. Donc ça, c'est un bon truc, ça, tu vois. Bon, un cadavre ou un autre... Sérieux, tu le verras pas. Ok, est-ce qu'il y a d'autres gens? Ah putain, franchement, le fait de pas avoir de pouvoir, c'est tellement... Mais alors... Tellement frustrant. Ok. Il fait quoi? Il remonte? Ah oui, il remonte. Ok. Bon, s'il remonte, faut que je me casse alors. Vous avez disparu. Je vais me barrer. En essayant de pas trop mourir. C'est quoi ça? C'était le train? Ok, l'autre est au-dessus là-bas. Je m'en fous. Je vais avancer. Mais il y a trop de gens. À partir d'aujourd'hui, Delilah Caldwin est notre nouvelle impératrice. Il y a beaucoup trop de gens. D'autre part, Corvo Atano est désormais recherché pour trahison. Il faut que je me concentre sur mon travail. Je passe à fond, quoi. Le protecteur royal sera condamné à une amende et arrêté. Peuple de Dunwall, ne sortez pas de chez vous. Un couvre-feu est en vigueur en cette période de trouble. Ils ne doivent pas me voir. Et franchement, j'ai rien du tout. La question est, est-ce qu'ils vont se barrer ou pas? D'accord, oui, non, ils rentrent chez eux, ok, couvre-feu, tout oh, ça, tout ça. Du bien. Je sais pas ce que j'ai mangé pour mériter ça. Il y a quelque chose qui pue par ici. C'est pas moi qui vais nettoyer. Ok, il a commencé à me voir, mais pas plus que ça. Donc, jusque là, ça va. Le problème, c'est que s'il y a quelqu'un au-dessus, là... Oula. Ok. Il y a un mec juste derrière, en fait. Il y a un mec juste à côté, là. Donc, ça va être un peu chaud pour passer. Je peux pas passer, là, parce qu'à cause des caisses. J'en ai plus cassé, cette pagaille. Je vais une fois chercher ensemble. Minute. Je vais jeter un œil par là-bas. Merde. Ok, donc là le mec va venir. Il va venir ici, je crois. Je me demande qui c'était. Quelque chose a bougé. J'en mettrai ma main au feu. Le mec me voit pas là. Le mec est dingue. J'aurais juré avoir vu quelqu'un. Chut. Je sais pas trop quoi, mais j'ai vu quelque chose. Vous avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez. Ah merde. Bon là cette fois-ci ils m'ont tous vu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, cette fois-ci je cours. Je ne connais pas ce navire, mais le capitaine acceptera peut-être de m'aider. Je m'en bats les couilles. Il n'ira pas bien loin. Je m'en fous. Je me barre. Qui sait où je vais. Montrez-vous. Allez, on se barre. Il n'y a pas le temps de niaiser.
Go. Go, 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 go. Monte. Est-ce que j'ai une chance de me glisser dans la tour sans me faire repérer par ces salopards en uniforme? Pas sûr d'en être toujours capable. Phew. Attends, mais là ça s'arrête comme ça? Ah, je me disais aussi quand même. J'ai quelque chose de la plus haute importance à vous dire. Vas-y, j'attendais justement que tu me parles, ma grande. Protecteur royal. Wow. Pardonnez ma franchise, mais. Et un bras? Vous avez une tête de mort-vivant. C'était une journée étrange. Il y a eu un coup d'état et on m'accuse des meurtres du tueur de la couronne. Je m'appelle Megan Foster. Je travaille pour l'un de vos anciens alliés, Anton Sokolov. Qui est un inventeur de génie. Nous avons fait une découverte terrible au sud. Au début, il n'était pas avec nous, mais... Je suis venu vous prévenir. Je connais Anton. Le duc est ici avec une certaine Delilah, qui s'est emparée du trône. Ils ont pris Emily et j'ai failli y rester. Maintenant, je dois m'enfuir, préparer la contre-attaque. Le malheur finit toujours par arriver à Dunwall. On dirait que c'est la fin du monde. Je dois aller à Karnaca, là où les meurtres du tueur de la couronne ont commencé. Delilah a dû vivre là-bas. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Oui. Je l'ai appelé le Dreadful Whale. On y va? Aucun putain de rapport. Aucun putain de rapport. Oui. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Oui, je l'ai appelé le Dreadful Whale. Pardon, tu disais parce que je parlais pas de ton avis, en fait, là, voilà. Ok, dans tous les cas, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Il était assez long. Je suis mort comme un caca, veuillez m'en excuser. C'est le temps que je reprenne mes marques. En tout cas, ça fait super plaisir de retourner dans un super jeu comme ça. J'espère, dans tous les cas, que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si j'ai le temps, cet épisode est sorti aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi. Si je n'ai pas le temps, il sortira lundi. Et du coup, ce sera tous les lundis que vous aurez le droit à un épisode de Dishonored. J'espère dans tous les cas que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois donc pour un nouvel épisode sur Dishonored 2. Allez, salut à tous et d'ici là, portez-vous bien.